Voilà, ok. Ouais, je suis là, côté AGT, les mains sont très à toi. Si, c'est humide, hein. Putain la vache, et puis en plus de ça, j'ai l'impression que le chauffage, il a dû claquer, là. là où j'étais, du coup, eh ben, c'est... Tu connais l'expression sortir couvert, et ben là, c'est rester l'intérieur couvert avec. Allez, chie trois coups. Ouais, mais il y a un moment, hein, que c'est... attends, je vais baisser un peu la ventilation, là, parce que ça fait souffle. Ah. Ouais, là, ça souffle trop. Oui, non, mais je te disais, là, il y a un moment que le chauffage doit être à chaise, là-bas. Parce que la dernière fois que j'y étais, c'était pareil, là. Je ne sais pas s'il n'a pas claqué dans le doigt, le bordel. Et il y avait eu déjà des messages comme quoi les OM avaient eu des problèmes avec, hein. Ah oui, d'accord, parce que là, il s'allume. Ça, d'accord, mais bon, ben la chaleur, depuis hier soir 19h, je l'attends toujours. Hein. Ah, ouais, non, mais voilà, c'est ça, c'est. Et c'est personne derrière aussi, personne dans l'agence, mais le souci, c'est que ça va rester comme ça des états éternels, ouais. Ben, je crois que c'est le chauffage du pro, hein, il doit être au client, je crois, celui-là. Ah, ouais, d'accord, ok, bah écoute. Après, ben écoute, tant pis, hein, t'as les. T'as pour la socialisation, attends. Ah, mais disons que c'est couillon de ma part parce que j'ai toujours une roue de secours. Et du coup, le mien, vu que là je viens de passer une semaine de vacances, je l'ai oublié au QRA. Ouais. Ah oui, le tien, d'accord, ok. Oui, je dois en parler à votre puisque j'ai un stress, j'avais dit que c'est important de l'éviter. Ah, ok, pour. Bon, ben écoute, la prochaine fois, tu passes au. je vais pas casser que tu reviennes là, mais fantasy, parce que je te dis, là, moi, la dernière fois que j'y suis allé là-bas, en week-end, il y avait déjà un mot là, d'un ou deux OM là, qui correspond. Et puis, c'est pareil, moi, il avait fonctionné au début, et puis après, plus rien dans la journée. Alors bon, puis hier, chez toi, j'ai pas percuté pour te le dire aussi. Hein. Putain, ouais. Et là, je suis en train de regarder, mais putain, mais tu passes bien ce matin, quoi. Ah la vache, je suis en plein dans les QRM là des feux tricolores. Putain la vache, qu'est-ce que ça parasite ces trucs là quoi. Les feux tricolores, ça devrait être interdit quoi. Ah chie trois coups. Et l'autre là qui me grille le feu rouge. Oh bah d'accord. Attends Daniel, là je t'entends plus là pour le moment. Hein. Enfin je t'ai entendu gazouiller dans le lointain derrière, mais là je suis carrément coincé là, dans les QRM là, des feux tricolores. Donc là désolé, mais là j'ai rien compris pour le moment là. Ah voilà, je vais pouvoir. Attends, j'en ai un qui est pressé là. Allez, vas-y, avance. Voilà, je suis en train de me dégager des feux là. Attends, on va faire un truc. Tiens, pour une fois, on va innover. Est-ce que tu connais le canal du forum La Planète Sibi francophone? Ok, bon, je ne sais pas si tu m'entends bien, mais là, je t'entends plus pour le moment. Le canal 27, le 27-275 en uniforme Sierra Bravo. Voilà, le 27-275, canal 27 en uniforme Sierra Bravo. Ouais, on passe dessus. Ok, Daniel, voilà, est-ce que tu es là?
T'es en petite puissance là, je t'entends très QRP. Putain la vache, tu dois être dans un endroit, même en BLU, là ça a du mal à passer. Quoi. Oh la vache, c'est là c'est très QRP là de mon côté. Ouais, bah, ah oui, tu dois être en plein dans les bois là, j'imagine. Et puis là de mon côté, là il y a une espèce de QRM là, qui est en train de balayer la fréquence. Voilà, le temps qu'il s'en aille. Bon, je suis rendu là au feu là en haut là, de la sortie 26. Voilà, là ça commence à aller mieux là maintenant là. Putain mais la vache. Et Martignas, il va falloir le raser, il va falloir faire quelque chose, hein, parce que alors là, au secours, hein, c'est vraiment le trou, je reste poli. Quoi. Ah, j'ai pas entendu le retour bip. C'est étonnant. Hier quand j'étais depuis le QRA, j'ai bien entendu Roger Bip derrière. Là ce matin j'entends pas. Là je comprends pas trop. Et ouais, pour Martignas, ouais ben ouais, comme l'a constaté là aussi là Christian là, SAV Radio 33, ouais c'est complètement fermé au niveau des ondes là-bas. Hein. Putain la vache. Déjà dit ça, il ouais, n'y a pas de problème. Oui, mais ça, bien sûr, je sais bien, là, il faut que je prenne le temps d'aller le voir. C'est... il y a des trucs de prévu et tout, ça, ouais, il faut que je prenne le temps d'aller le voir. D'aller le voir assez rapidement, puisque pour que tu me dises ça, ça veut dire que là, ça y est, pour lui, de son côté, il est OK. Donc là, c'est tout bon. Là, j'ai énormément de mal à te sortir. Putain, on a beau être en BLU. Putain, mais ça passe pas, ça passe difficilement. Hein. Putain, la vache. En plus de ça, là, je suis pas loin d'arriver. Là, je suis sur la dernière. J'arrive sur la dernière bosse avant de descendre dans le trou de la poste. Donc, autrement dit, dès que je vais être dans le trou, toi dans le trou de ton côté, moi dans le trou du mien, ah ben, on va s'entendre tous les deux dans les trous. Ben. Well,
Et puis en plus, comme tu là, je suis en train de faire une petite vidéo, comme tu le verras sous la vidéo, on est beaucoup, on est nombreux là dans ce dans le trou là de mon côté. Il y a visiblement, c'est un trou large, c'est un trou qui obsède beaucoup de monde. Hachi. Ah ben là, je sais pas si tu as relâché le micro, mais si tu as relâché le micro, eh ben oui, c'est bien ça. Ce matin, toi, là, je l'entends pas le Roger Beep. C'est curieux, hein. Voilà, t'as encore bricolé le. T'as encore retouché au réglage. je sais pas. Et hier, autant, comme je disais tout à l'heure, hier, autant je l'ai entendu là, depuis le QRA, autant là, ce matin, j'entends pas le multibip. Bon ben là je suis complètement là dans le trou. Et dans le trou, ben c'est le brouillard. Hein. Voilà. je suis pourtant pas tout entendu, mais c'est pourtant le cas. Hein. Voilà, je suis en train de remonter doucement. Voilà, je suis en train de remonter à la surface. Voilà, ok, ça monte. Je suis sorti du trou. Voilà, je suis à nouveau en hauteur. Voilà, là j'ai passé le village de la poste. Il est là, mais là c'est vraiment compliqué. Bon ben Daniel, je sais pas si tu as relâché le micro. Là, je t'entends plus de mon côté. Alors, les bus 1351 à toi, je suis dans la grande ligne droite, là, sur la nationale 89. Les bus 1351 à toi et bonne journée. Ah, s'il est là. Bon. Bon, ça passe au cul.